Bonsoir, bonsoir à tous. Et bienvenue sur mon stream de Witcher 3 qui est sorti donc aujourd'hui et que tout le monde doit être en train de jouer déjà sauf ceux qui n'ont pas le jeu. Alors oui Rada, j'ai un SLI de 970, c'est ça. Bah justement je peux vous montrer les options graphiques que j'ai activées avant de lancer le jeu. Je sais pas si c'est très utile mais. Mais j'ai activé, comme vous pouvez voir, le Fofunworks de Nvidia. Avec les beaux cheveux, les beaux poils. Donc ouais, j'ai quasiment tout foutu en extrême. Sauf les ombrages qui sont inélevés. Mais tout est en extrême à part ça. Et traitement numérique, j'ai juste désactivé des trucs qui me plaisaient pas, style le flou, c'est dégueulasse. La profondeur de champ, j'aime pas ça non plus. Le depth of field, l'aberration chromatique, j'ai désactivé. Le vignettage, j'ai désactivé aussi. Ça fait que les carrés, les coins sont plus sombres. Ça fait comme une vignette. C'est moche. Donc j'ai désactivé. Donc bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Bulton. Bonsoir Rada. Bonsoir Arcanelric. Bonsoir je ne sais plus qui. Bonsoir Astrin. Bonsoir. Ouais. Tous ceux qui sont sur le chat. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai joué 1h30 tout à l'heure, donc je vais rappeler le début de l'histoire. C'est mon premier The Witcher, donc je suis une grosse quiche. Je bourrine et je meurs contre des loups. Donc il va falloir que je me calme un peu. Ouais, salut Shinseiki, désolé, je ne vois pas tout le monde. J'étais oublié, désolé. Ah, The bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. Ouais, voilà, on poursuit, on cherche Yennefer. Et donc, comme vous pouvez voir, j'ai passé le jeu en VOST, donc voix anglaise, sous-titre français. Mais pour le peu que j'ai joué en français, ça avait l'air pas trop mal quand même, mais bon, je préférais jouer en VO. Alors, il est 6h28 du matin, c'est dégagé, d'après le truc. Bon, j'appelle pas ça trop dégagé, ou alors le ciel est pas trop bleu. C'est un peu gris quand même. Donc, le truc, c'est que je cherche Yennefer. Donc, Yennefer. Yennefer, elle a été vue par le mec dans une garnison. Alors le chef d'une garnison, et avant qu'ils nous disent par où elle est partie, il faut qu'on tue un griffon. Et si on tue le griffon qui la merde, il nous dira où est partie Yennefer. Donc là, on va pister le griffon. Donc déjà, j'ai deux trucs à faire, donc c'est sur le côté, sur la droite là. Faut que j'aille voir le chasseur, et que je lui demande où il a trouvé les corps, parce que le mec de la garnison avait envoyé des soldats pour tuer le truc, et ils se sont fait tuer, donc voilà. Faut qu'on sache où le corps est. Où il a trouvé les corps. Et après, il faut qu'on aille voir une herboriste pour choper une herbe qui va attirer le griffon. Oui, Astrin, tu veux voir des boobs, mais je crois pas qu'il y en ait encore des boobs. Il n'y a pas la cinématique d'intro. Là, il y a des boobs. Ouais, par contre, le truc qui choque un peu, c'est depuis le début du jeu, il fait du vent, quoi. Ça souffle toujours. On se croirait à Marseille, quoi. Il y a toujours du Mistral, quoi. Ça souffle, ça souffle, ça souffle, ça se calme jamais quoi. Bon, ok, les arbres ils se plient, mais voilà quoi. Bon. Oui, sinon, en difficulté, je suis en difficulté 2 sur 4, je sais plus ce que c'est. Je sais plus où c'est. Option. Donc, je joue en. Non, niveau difficulté, histoire et épée. 2 sur 4. Et encore, j'arrive à mourir. Bon, allez, on va voir le chasseur. Anyone home? Must be out hunting. Ok, il est pas là. Donc, on va utiliser nos sens de sorceleur. Donc, voilà, sens de sorceleur, c'est pas compliqué, j'appuie sur une touche et. Trails fresh. Et s'active le God Mode Assassin's Creed View. Donc
donc suffit de suivre le truc en rouge, c'est pas trop dur. Bon, ok. Ah, le voilà. You, Miss Love. Shh. Hear that? Wolves. No, wild dogs. Yes. More dangerous than wolves. Bon, qu'est-ce qu'on va lui raconter? Ouais, on va lui poser direction la question, on s'en fout de ces loups là. Enough guardians the griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a witcher. That monster slayer they's talking about in the village. I'll show you, sure. But, I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. Bon, ok, je vais mourir contre les loups. Allez. Sure, Griffin's not going anywhere. No, dogs might though. So step careful now. Come on. These dogs been a problem for a while now? Since the war started. Soldier on the march, he'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cat. Bon, allez, on va tuer des chiens sauvages. Quoi, Rada, tu regardes mon stream au lieu d'aller boire des bières? Ah, c'est pas bien. À part si t'as des bières à domicile. Là, t'as les deux biens. La bière et le stream. Mais j'espère que tu bois pas comme chez SQSD de la bière de merde, hein. De la vraie bière, on parle. Bon, ils sont où les chiens sauvages? Ok, au moins ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut ramasser? Suif de chien, je sais pas à quoi ça sert, mais je ramasse. Je vais faire comme dans Skyrim où je vais me retrouver avec 500 000 trucs qui servent à rien. Ah merde, ça commence bien. Allez. Il fait toujours sa ballerine par contre le mec. Hein. Alors lui il est mort, il n'y a rien à ramasser. Où c'est qu'il reste des chiens sauvages? Ah, il est là. Voilà. Cramé. C'est bon, fini. Ça va, c'était pas trop dur. Dieter. You know him? We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. Ouais, c'est possible de jouer à Witcher 3 si on avait fait les deux premières, Canary, puisque c'est ce que je fais. J'ai jamais touché un Witcher, hein. C'est mon premier, je commence là, donc. Well, a long time ago. Before what? Before they drove me from the village. What did you do? Nothing. I'm a freak. Sorry. I'd rather not talk about it. Aye, sure must. Aye, but of another kind. If it's lycanthropy, I can help. What? Lycanthropy. Werewolves. Handled a few cases in the past. It's usually a simple curse that... The Lord's son, Florian, and I... We loved each other. Dieter walked in on us in the stables. They drove me away. Florian hanged himself. Lord started drinking, and the estate fell into ruin. That's oh, c'est triste.
Ouais, je suis désolé, mais le vent, c'est vrai qu'il y a toujours du vent là, comme ça souffle derrière. I'm sorry. Ancient history now. Mais par contre, il y a des cheveux quoi. Il y a le Airwork qui est activé, vous voyez cette belle chevelure qui vole au vent. Griffin, know anything about it? Ouais, un point de compétence. Ouh. Non, c'est pas celui-là. C'est Start. Alors, ouvrez le menu personnage, oui. Donc j'ai gagné niveau. Ouais, cool. Donc j'ai un point de disponible. Nouvelle compétence, ouais, c'est bon. D'accord. Okidoki. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Attaque puissante, fureur guerrière. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Attaque rapide. Attaque puissante. Je peux dévier flèche. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, allez, attaque rapide. Ok, vous devez probablement la placer dans le placement de compétences libres. Ok. D'accord. D'accord, je peux pas activer tout en même temps. Bon, c'est particulier. Et si je veux acheter un nouveau truc, en place d'un niveau 4, ok. Plus je vais monter un niveau, plus je vais évoluer de compétences. Et ça, c'est des trucs à mutagène. Je ne sais pas ce que c'est encore. On va sûrement le découvrir. Ok. No griffin can hear me nor spy me. Bon, c'est pas fini, faut que je suive encore le chasseur. Et ce vent, ça se calme jamais là. Bon, on peut avancer un peu plus vite là parce que je m'emmerde. Bon, après c'est pas moche là. Mais je trouve que, je sais pas, il manque quelque chose. Ah, il y a eu un gros downgrade quand même. Ça vaut pas les trailers qu'on avait vu avant. T'was here. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Watch out for yourself now. Oh yeah. I'll be fine. Not the first griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Good hunting now. Bon allez, faut que j'examine le site. Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted them. Alors... Ground's black, saturated with blood. Gog sur Gog, il coûtait 15€ le Witcher, c'est bah je l'ai acheté là-bas, ça a très bien marché. En plus, comme j'avais acheté déjà Witcher 2 sur Gog, j'avais une réduction, donc je l'ai payé que 13€, je crois. Mais ouais, comme tu dis, Radal, là c'est un peu trop coloré. Là encore, ça va, il pleut, donc c'est assez sombre. Il y a des moments, c'est super coloré. Là, ça commence, mais après, j'essaierai d'utiliser un Sweet FX. Par contre, là, c'est carrément dégueulasse, le tronc d'arbre. Et... Ah oui, d'accord, et... ok, il disparaît, il apparaît, ouais, d'accord, oui. Enfin, la texture, assez dégueulasse, mais bon, hein, globalement, c'est quand même pas trop moche. Alors, donc là les trucs qu'on peut voir au fond c'est que c'est des animaux, des ennemis. Et bon, pour l'instant ils sont loin et voilà, c'est juste, ça nous permet de savoir où sont les ennemis. Comme la vision de l'aigle de d'Assassin's Creed.
Et là, faut que je suive la piste des soldats Nilfgaariens. Je ne sais pas qui c'est ces mecs, mais voilà, je suis leur piste. Donc pour l'instant, ouais, je comprends pas trop l'histoire. Qui est Yennefer, à part que c'est une grosse bonasse et que j'ai envie de me la faire, donc c'est pour ça que je la poursuis. Globalement, pour moi, c'est ça l'histoire. Bon, y a un truc en dessous. Alors, il y a quoi? Kit de réparation d'armure. Ok, je prends et je prends le blé. Ok, on va continuer. Allez, saute. Putain, le mec il peut pas grimper quoi. Oh, ce saut. Alors. Bon, ils vont où les soldats? Ouais, c'est ça que j'ai compris apparemment, Rada. Il y a deux armées qui s'affrontent. Je sais pas trop qui est le gentil, qui est le méchant, mais bon. Il y a les Nilfgaariens. Et je sais plus trop quoi après. Bon, ils sont passés où? De l'autre côté? Ah, maintenez B. Ok. Ok, ils sont faits. Ah, le nid du griffon. Ok, y a pas de gentil, pas de méchant, d'accord, tu as dit ton camp, normal. Bah, il est pas mort le griffon là? Female. Larvae and her wounds have already hatched, been dead at least a week. Other griffon must be a male. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, l'âge d'abord. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. 10-12 years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Ouais, blessure. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Thick shaft. Dense barbs. A royal griffin. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaariens down here in the forest first, then started prowling the area. Eh, on a tué sa copine. Ah, on s'en estime, j'ai envie ton adversaire. Quête Sangrenant a passé la tête, gagner l'expérience, ouais, ok. Ouais, il faut pexer un peu avant de pouvoir affronter les gros. Logique. Il fait un temps de merde. Il fait du vent, il pleut, mais... Ok, donc maintenant, faut qu'on aille interroger l'herboriste. Moi, j'appelle mon cheval, là. J'ai la flemme d'y aller à pied. Il spawn de nulle part, c'est pas grave. Come on. Je vais juste sauvegarder. Comme je suis une quiche, je le fais assez souvent. Ah, cool. Il veut pas sauter. Saute, saute. Putain. Blaireau. Oh putain. Allez. Mais il veut pas sauter. Bon.
Tant pis, on va suivre le chemin qui nous indique. Ouais, un site d'énergie. Ouais, sûrement un démon à côté, un truc qui va me pourrir. Non? Même pas? Oh, un point de compétence, ouais! C'est un signe de Quen augmenté. Alors, le signe de Quen, c'est lequel déjà? Ça crée un bouclier de protection et donc c'est augmenté pour. Alors là, je peux méditer si j'ai envie, c'est-à-dire que j'attends, quoi, je fais passer le temps. Là, j'ai pas envie pour l'instant. Et comme ça, on récupère de l'énergie. Ouais, ça pixelise sûrement un peu le stream, Arcane, mais ça rend plutôt bien en full screen quand même. Et oui, il y a du. Les poils du cul du cheval, normalement, sont Airworks. Normalement. Attendez, je dois avoir gagné un point de compétence. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais mettre? Une attaque puissante, la déviation. Allez, je vais mettre la parade. Viser qu'une arbalète, on s'en fout. Ouais, les parades. Yep. Et je la signe. Salut Soleil. On se croirait en Angleterre, il est 10h du mat, mais il fait nuit, quoi. Il pleut, fait nuit, c'est... Ou en Belgique. En Belgique, ça marche. Mais normalement, si ça marche bien, vous verrez, il y aura un replay en 720p. Si ça marche, je garantis pas non plus, ça a tellement foiré les autres fois. Donc peut-être que vous pourrez regarder le replay, ça sera un peu plus propre. Mais pas top non plus. Bon, allez, accélère. Voilà, on arrive dans le village et... Bon, il y a des soldats qui sont assez cons. Tout à l'heure, il y en avait deux qui étaient bloqués dans le cheval. Il y avait mon cheval en plein milieu du chemin. Et les deux ne pouvaient pas le contourner. Ils butaient dans le cheval. Très intelligent. Mais ouais, c'est assez joli, mais ça manque de quelque chose, ou alors c'est parce que c'est... On voit pas très loin. Contrairement à, je sais pas, où je joue à GTA en ce moment, où tu vois toujours la montagne loin, là c'est... Bah, c'est plat, donc tu vois pas grand chose loin, ça fait... c'est assez gris. Salut Gracchus. Et salut Adrien. Alors, donc là, il y a l'herboriste. On va aller voir l'herboriste. Qu'est-ce qu'il y a à ramasser là? Cueillir, on s'en fout, je sais pas ce que c'est. Mais pétale de myrte blanc, mais je m'en tape. Bad time. Bon, déjà, elle a un joli cul. Je sens que je vais essayer de choper. But I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses, small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Hmm. Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking. A few years ago we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars, something, something. Ah, good to know the black ones are looking out for our welfare. Ouais, que je réponds à les capitaines, ton homme dit, j'en sais rien, c'est pas grave. Cares about you, but this captain just might. Seems like a decent man. There are no decent men in the army.
there any orders? Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise, you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Putain, t'es difficile, Harkonner. Believe we could have an interesting conversation. Moi, un trou est un trou. Maybe next time. On fait ce qu'on peut et ce qu'on a. Geralt, il est comme ça. Alors, trouvez un point dans le milieu de la rivière à l'aide de vos sens de sorceleur. Ok. Putain, mais je peux pas me la faire là, je suis en bonne position en plus. Putain, y'a pas une touche d'action contextuelle là? Allez, penchez tout. Allez, parle-moi de toi. Tell me something about yourself. What's your story? A sad one. Do you know the Temple of Melitele in Alanda? Do I know it? Can't remember how many times I've been there. How many times Mother Nenica stitched me up. We must have missed each other. Allez, blablabla. I was but 18. Ah, de l'amour déjà. There was a boy. Ah. He'd bear his chest to work. Ah bah oui, torse nu. The mothers couldn't keep their eyes off him, tripped over their own feet, dropped things. I left the temple for him. We passed a lovely summer together. Je peux le remplacer si tu veux. Nenica refused to take me back. My parents uttered not a word. Gave me a travel cloak and a small coin pouch. Bon allez, je peux pas, putain, y'a pas d'option quoi. Griffin do that to her. Delina. Yes. Attacked her at night. She was walking in the woods. At night, through the woods, in wartime. Ouais, ses cheveux, ils sont pas foufounafix, hein. The young, you know, do foolish pas terrible. For love. Wounds are healing, but she will die. Blood's pooling in the skull. Nothing my bruise can do. Ah, trop de sang au cerveau. Hein. Allez, je vais essayer de l'aider. Could try to help her with one of my potions. Swallow can heal internal hemorrhages. But Witcher's potions aren't for humans. She'll die as it is. Yes, a peaceful death soothed by your concoctions. If I give her swallow and something goes wrong, the whole village will hear her screams. I understand. Putain, Shinseiki, tu veux baisser l'inconsciente, hein? C'est crade là. Alors, au revoir. Farewell. Au revoir. Alors, nouvelle quête entre la vie et la mort. Hein. Ouais, moi je peux aider la Poufia si j'ai envie quoi. Alors. Quête. La bête de blanche fleur, niveau 3 conseillé, et je dois être niveau 2. Donc, bon, je suis un peu en dessous. Quête secondaire. Donc, niveau 2 conseillé, on va prendre celle alors. Préparer une dose d'hirondelle. Alors, dose d'hirondelle, il me faut quoi? Bon, vite, potion, hirondelle. Il me faut... C'est quoi? Eau de Vinaine. Chili d'Oen. Et cerveau de noyeur. Mais qui sait que je trouve ça, moi? Bon, on va se promener dans le coin, on va voir si on trouve des trucs. C'est quoi la chili d'Oen? J'ai dit quoi déjà en plus? Je sais même plus. Ah merde. Ah, sorti même plus quoi. Ah, hirondelle. Chélidoan. Du cerveau de noyeur, qu'est-ce que c'est? L'eau de Vinaine. Salut Jibo! Bon, là tu. T'es dans une partie qui est très intéressant du jeu où je cueille des fleurs en fait, mais je sais même pas en fait quelle fleur je dois cueillir, je sais même pas où aller quoi. Je dois trouver de la chili d'Oen et du cerveau de je sais pas trop quoi, et je sais pas où retrouver. J'ai pas un glossaire. Alors, bestiaire, artisanat, non, personnage on s'en fout, donc y a rien qui me dit où c'est que je peux trouver de la chili d'Oen et de. Toutou.
Qu'est-ce qu'il a fait, Gracchus? Et il a posté un gif? Bon. Ça a l'air très passionnant comme putain de quête. Bon, on sait que je peux trouver de la chélidone, moi j'en sais rien, il y a plein de fleurs, mais je vais pas tout les faire au pif quoi. Cueillir, c'est quoi? Fruit de palisse. Pissenlit. Je vais te les faire bouffer, moi, les pissenlits, tu vas voir. Ça ressemble à quoi la chélidone? Ouais, soit allez, c'est le début du jeu là, je sais pas, j'ai 2 heures de jeu à peu près. Un gif d'un type qui s'est fait enculer par une peluche de poney. Ok, je veux pas savoir d'où ça t'a sorti ça, Iricus. Je ne veux surtout pas savoir. Chélidone, c'est pas ça que j'ai besoin là, Chélidone? Hop. C'est bien ça. Putain, maintenant, oui, c'est le cerveau, il a chélidone. Tout, c'est où? Putain, je le vois même plus maintenant. Ah, hirondelle. Ouais, c'est de la chélidone. Chélidone et cerveau. Le cerveau de noyeur. Où c'est que je peux trouver un cerveau de noyeur? Et de l'eau de vie. Et de l'eau de vie. Les plantes repoussent, j'en sais rien. Oh lapin! Oh lapin! Banzai le lapin! Enfin, c'est un lièvre. Ah! Bien cru. Allez, on prend. Tout à l'heure, j'ai voulu tuer un chat, j'ai pas réussi. Mais il était dans l'auberge et je crois que j'aurais fait fuir tout le monde de toute façon. Myrte blanc, on s'en tape. C'est pas ça. Ouais, mais je sais que je dois pouvoir acheter ça, mais bon, si je dépense tout mon blé pour une pétasse qui va crever, je m'en fous un peu, quoi. C'est pas comme si c'était pour moi, quoi. C'est des poissons, hein. Ah ouais, t'es censé avoir de quoi fabriquer de l'hirondelle? Ah bon? Bah là... Ouais, je vais me balader un peu et sinon on va revenir sur l'autre quête et on verra au fur et à mesure. Toute façon, déjà le truc c'était un truc de noyeur broyé, je crois, l'autre. Donc qui dit noyeur dit eau. Et qui dit haut dit par là. Parce qu'il y a quoi? On va où? Quête disponible. Oh, il y a des quêtes là. Quête disponible. On va aller voir les quêtes. Panneau d'affichage. Donc là, il y a une pierre d'énergie. Il y a un site d'énergie, mais je me suis fait poutrer par un espèce de. De démon tout à l'heure ou de spectre qui m'a foutu une grosse branlée. Donc on ira plus tard. Hein. Donc on va aller voir le village, on va aller vers le village, on va aller vers l'eau et on va revenir au village. Je peux pas foutre de points à s'y placer point de passage. X. On va aller par là, hein. On va voir. Pourquoi tu veux que je médite jusqu'au soir, hein? Rada. Il fait beau là en plus, pour une fois que c'est à peu près dégagé. Il y a du pissenlit, ça y en a, mais alors la chélidone là, la chélidone. Il n'y a rien ici, il n'y a pas de noyer broyé là. Il y a que dalle. Bon,
de l'herbe. Ah, c'est du pissenlit, ça sert à rien. Bon, là, on va aller voir les points d'interrogation, il y aura des quêtes. Pissenlit, on s'en tape. De la myrte. Re de la myrte. Re un mec qui tente de trancher un arbre qui tombera jamais. Bon courage, mec. Bon, on va aller voir les points d'interrogation. Oui, l'eau est très moche. D'ailleurs, oui, c'est vrai, j'ai pas essayé de nager. L'eau est très moche et elle est en ultra. Hein. C'est là, je suis à fond. Hein. Mais oui, elle est très moche. Même GTA fait largement mieux. Hein. Bloup, bloup. Oh putain, c'est moche. Oh, c'est moche. C'est très moche. J'ai 2970, Gracchus. Ah merde, me trompe de touche. Bon, on va aller voir les points d'exclamation. Il est là en dessous en plus. Lost your key, ma'am? No, not me key. Me pan. It always sat there empty, this hut. That is, till the night before the battle. Ouais, t'as vu, Jibo, ça paye bien les litchis, hein, avec ça. Monsieur achetait de beaux trucs. Hein. Bon, par contre, la vieille, on va pas se la faire. Hein. Je suis pas trop granny. Next I knew, there he was, coming my way. Grabbed me pan for protection, see? But he just asks all polite. Gran, got any birch bark by chance? Lilac bear. Ouais, j'en ai rien à foutre. Staring at me pan. Franchement, une poêle quoi. Lend it to me, Gran. Une poêle quoi. Et je vais chercher une poêle. Ouais. Interesting. What happened then? Before dawn. Another rode up to the hut. But come on, only the first fella left. Locked the door, hopped on his... Elle a plus de poils. Help me, dearie. Bring an old widower pan. I could never... Ouais, je vais t'aider, la vieille. Never taken on a pan contract. Fine, I'll go in, look around. You should wait here, just in case. Ouais. Ah, voilà, utilise le signe de... Faut s'y frapper dessus. Le signe d'art. Alors, c'est lequel, le signe d'art? Art. Hop, et voilà. Porte ouverte. Alors, y'a quoi? Bon. Je vais quand même prendre... Je vais un peu voler la vieille, hein. Vous voulez pas rentrer, je vais quand même prendre un peu d'argent, hein. Alors, qu'est-ce que... Explains the stench. Phosphore. Je prends. Hop, je passe sans quête active. Fouille la cabane. Quête d'une poêle à frire. Ça, c'est de la quête, quoi. Une poêle à frire. Poudre alchimique, je prends. Qu'est-ce qu'il y a après? Ouais, c'est peut-être des quêtes tuto, ouais, mais... Plaque d'acier, éclat de lune, minerai... Putain, c'est cool tout ça, là. Formule éther, je prends tout. Et j'ai gagné un schéma de carreau de type matrace. Et de l'éther. C'est une sorcière, la vieille, en fait. Oh, une poêle. The priceless frying pan. Scrubbed clean. Looks like the mystery man didn't need the pan so much as the soot off it to make ink, write letters. En plus, elle est propre maintenant la poêle, tu te rends compte? Nothing, nothing. Oh, la lumière dynamique, c'est trop beau. Hop. Bon, faut que je rapporte la poêle à la vieille maintenant. On va vérifier quand même qu'on a tout bien nettoyé. Hein.
Ah putain, c'est un 38 hein, le Gliralt. Il bouge trop mal. Prends tous les terres, c'est le seul mec qui a... Ok, ouais. Merci de m'expliquer les bases du jeu. Pipe. Non, sans tape. Là, normalement, y a un pantalon. Je suis à combien là? Je suis à 14 sur 60 pour le poids, ouais, ça va. Ouais, la vieille, je te rends ta poêle. Here, your frying pan. Mine? But mine were black with soot. And I could see myself in this sun if I wanted. Bon, tu te spoil pas trop, Jibou, c'est les deux premières heures là. He scraped it off, made ink out of it. And the other fellow? Dead. Round up a few boys and bury him outside the village, deep, so the necrophages don't dig him up. And take my advice. Don't mention this to the Nilfgaardians. Okay. Hang about. You've earned a token of thanks. Oh, j'ai déjà pris mon salaire, t'inquiète pas. Wouh, quête terminée. 10 points d'expérience et j'ai gagné quoi? J'ai gagné une pomme cuite, du pain et du jus de pomme. Ouf, trop balèze. Putain, j'ai plein d'objets à la con. Du tissu, des clés de lune, faudra que je revende tout ça quand même. Qu'est-ce que j'ai comme bordel? C'est quoi des fleurs séchées? Pourquoi j'ai des fleurs séchées moi? Peau de loup, faudra que genre. Ah, ça, les RPG, il y a toujours un stock de 500 000 objets que. Bon, consommable. Merde. Et Meldum. Donc ça c'est de l'eau, donc ça c'est les deux consommables qu'on peut consommer pendant les combats pour faire remonter la santé. Hop, de la viande crue. Kit de réparation d'armure amateur, utilisé pour les armures. Ouais, j'en ai pas trop besoin, mon armure doit être à 99%, je l'ai réparé tout à l'heure, donc ça va. Mon épée en argent à 97% et l'autre est 98%, ça va, pas trop pourri. Bon. L'autre, donc celui-là on va le faire plus tard, ce que je vais faire c'est qu'il y a un autre point d'interrogation dans le coin, on va aller le voir. Donc j'ai reçu du jus de pomme x5, jus de pomme, même pas du cidre, du jus de pomme. Merde, je me suis trompé de touche encore. Ah. Cueillir du pissenlit, j'en veux pas du pissenlit. Mais ouais, faudra que je switch FX la rada. Là pour l'instant y'a rien, mais. Ouais, ça manque un peu de sharpen. Moi aussi je mets le sharpen. Et change un peu la colorimétrie. Ah putain, à chaque fois je fais select pour la map alors que non. Ah, y'a deux quêtes. Allez, hop, celle-là. Par là, pour faire une autre quête. Un bélier. Je vais bourrer le bélier. Viens bourrer le bélier. Bon. Allez, où l'entrée? Ok, merci de me cracher la gueule. Bon, y'a quoi voler chez toi? Greetings. Bah ouais, je joue à la manette, Bultom, hein. Ça se joue à la manette, hein. Hear about the well? Well, first I've heard. There a problem? Aye, tis haunted. Has been for a good 20 years. 20? So why do you put out a notice just now? Because earlier on we drew our water from the river, but so many corpses floating in it after the battle has turned noxious. Ah, la fille, elle est où la fille? Je peux la voir? Andy drank half a pitcher. Felt dreadful ill. Can't keep nothing down. She grows worse. Bon, allez, avance. Herbalist claims you fight a fever with drink, and not beer nor cider, but
water. Clear, pure water. And where am I to get that if not from the well? But first, the ghost's got to be driven. Why? This ghost. Describe it for me. Well, it's awful frightening. Awful. I meant, what does it look like? It looks like a woman. A woman. But fresh from the grave. Wears a dirty dress. Jean-Pierre le Fantôme. Skin flaking off its bones. And it howls like it's suffering. Some wraith. Or maybe another. Ah, c'est ça qui fait du vent même à l'intérieur. C'est le brushing, ça. Take care of it, that is. It'll come kill me daughter. Ouais, d'abord la prime, hein, faut pas exagérer. I feel for you, but this is my job, so let's talk about my pay. Something not right with the coin. Combien je peux négocier? 24. Bon allez, je suis gentil. On m'en fout. Pour une pièce. Where's this well? In Havel, a settlement on the heights. It's abandoned now. No one ventures there on account of the ghost being about. Drive it off, please. Ouais, mais ça c'est vraiment les 4 tutos quoi au début pour t'expliquer comment ça marche. Bon, y'a quoi voler chez toi, man? Ouais, il est joli le mur, c'est particulier. Coton, bois, argent. Cuir dur. On n'a rien vu! Botte de chasse, non, on m'en fout. Putain, mais c'est pas comme dans Skyrim, tu peux voler tout ce que t'as envie, le mec il s'en tape. Ok. Bon, soit. Vodka, bière brune. Allez, on prend. 5 de cuir, peau de chèvre, hein, je prends. Ça va, j'ai encore de la place. Je sais pas à quoi ça me servir, mais je prends. Ah non, mais elle est un peu jeune la fille, en fait, je peux pas me la taper. Par contre, la maman. Ah non, c'est l'infirmière. Hey. C'est la fermière. T'es la mère? Est-ce que tu baves? Ouais, c'est un peu rigide. Ouais. Les déplacements sont assez rigides. C'est pas super souple. Avant, vu que je suis là... J'ai des trucs à faire. Panneau d'affichage. Je vais aller voir le panneau d'affichage. Parce que sinon... Ouais, c'est assez loin. Donc je suis dans le village. Je vais débloquer toutes les quêtes pour voir. Si c'est aussi bien que la poêle. Allez, sprint. Ouais, panneau d'affichage est derrière. Panneau d'affichage. Une demoiselle en détresse. Ouais. Ok. Donc il y a un forgeron dans le coin là. Ah, mais en fait, le forgeron c'est une quête. What happened here? Oh, got a wee bit chilly the night, so I set fire to my forge. Got it nice and roaring. Roasted some wieners. What do you think happened, dimwit? Some bugger set alight me workshop. I've lost everything. Ouais, quel connard, quoi. Everything. Sorry. Any suspects? Whole damned village. I've lived here half a century. Thought they saw me as one of their own. But everything changed when the Black Ones came. Allez, avance. Elf Guardians don't pay me a bloody copper. Just give me supplies and orders. The humans can't fathom that. They think I'm getting... Oui, je peux trouver l'incendiaire si tu me payes. I can find your arsonist, provided you're willing to pay. I've not much left, but I'll give you all if you bring me that horse. So that he gets what he deserves. The night of the fire, I heard movement outside my hut.
Went out to see if I could find any tracks. I found nothing. But then I haven't got cat eyes, have I? Good luck. C'est quoi ton truc, Guibo? Si t'as une version Steam, tu crois que si tu colles le copy-colle le répertoire, hop, ça marche? Peut-être. Moi, j'ai une version GOG, j'ai pas essayé après. Alors, attends, la quête, quête. Donc, lui, qu'est-ce qu'il me veut? Quête secondaire niveau 2, qui m'en sent dire. On va prendre celle-là, puisque. Quoique, non, je vais d'abord aller au tableau d'affichage. Juste pour débloquer. Hop, tableau, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Avis de recherche. Un soldat s'enfuit du camp militaire. Il a fui en sous-vêtements en passant par le système d'évacuation. Ok. Il doit empester comme viewbook. Ok, je prends. Ok, je prends tout sur le recrutement. Ok, je prends tout, moi, je m'en fous. Hop. D'accord, tu prends tout, t'as des points d'interrogation qui apparaissent. Et ça. Oui, c'est bon, j'ai compris comment se déplacer. Et donc là, il y a des points d'interrogation qui sont apparus pour me dire qu'il y a des trucs intéressants dans le coin. Oh, il a pas mal. Ok. Ok, ok. Je lis un peu le chat au passage. Ouais, version Steam et sous DRM Steam, ouais, c'est un peu logique. Il y a un truc d'énergie là-bas, c'est intéressant. J'irai voir. Par contre, là, j'ai l'impression que c'est une région autonome parce qu'on peut pas se balader partout. On est assez limité, je crois. Et si on dézoome, on tombe sur la carte du monde. Mais ça, ça doit être la map principale. Ça doit être 3 maps secondaires. Enfin, non, 4, parce qu'il y a les l'archipel. Donc, je pense que ça, c'est 4 maps secondaires plus petites. Ça doit être une ville. Voilà, ça c'est la ville. Qui doit faire partie de la map principale, enfin, je suppose. Peut-être pas. Je pense que ça c'est juste une zone de tuto. Enfin, on va voir au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on découvre. Ouais. On va enquêter maintenant. Juste, normalement j'ai chopé de nouvelles quêtes. Donc entre la vie et la mort, c'est la dose d'hirondelle à préparer. Disparu au combat. C'est le mec qui cherche son frère. Contrat de sorceleur. Donc je dois chasser le démon. Ok. Bon, y a quoi dans le coin? Par des plantes. C'est de la myrte blanche, mais il n'y a pas le truc que je cherchais tout à l'heure. Ah ah ah, j'ai vu un truc. Oh oh, des traces de pas. Allez, examine. Shavings from a tinderbox. Arsonist must have lit his torch here, tossed it on the roof, then fled through the orchard. Allez, on va suivre la piste. Ce qui est très compliqué. On va tomber chez le méchant voisin. Ou la vieille mégère. C'est quoi ça? Oui, je peux rentrer chez les gens pour voler les trucs. Ok. Bootprints. A man's. Large. Où ça nous amène?
took off his boots and went in the water. Probably wanted to cover his trail. Salut Jibo, bonne soirée. Merci d'être passé. Putain, un coffre. Canne à pêche, filet de pêche et des oreilles. Très classe. Bon, faut que je retrouve la piste. Yes. Tiens, c'est quoi ça là-bas? Marchand, d'accord. L'aubergiste. Ouais. Vas-y, je trouve un peu la piste là. Took off his boots and went in the water. Ouais, ça j'ai compris. J'ai perdu la piste. Il s'est barré où? Eh toi, t'as vu passer personne? Ouais, 500 pour moi, bah je suis une quiche hein, dans les RPG, c'est mon premier Witcher. Et là je suis même pas... Alors y'a un mec, tu vois, il a enlevé ses bottes et il m'a perdu quoi. C'est abusé. Qui c'est qui me spam? J'ai pas l'overlay Steam donc je peux pas le lire. Lordling. J'ai la flemme de l'altabé. Bon, y'a quoi là, piquer des trucs? Des fioles, allez. You'll not get food, not from me. No. It's true. Stop. Bon, on va suivre la berge. Je peux même pas passer. Ah, j'ai retrouvé la piste, parfait. Lost his boots in the rush. Je suis nul. Bon, qui c'est qui me spam? Si ça crache, c'est votre faute. Hein. Bultom, voilà quoi. Ah putain, Time to Fly. Mais qui connard? Bon, c'était Bultom. Lost his boots in the rush. Oui, ça j'ai compris. Something jumped out of the rushes. Drowners. But he managed to escape. Tracks lead back to the village. Le mec il tourne en rond, quoi. Oui, j'ai perdu de la vie en fait, parce que je suis tombé, je suis pas descendu à l'échelle tout à l'heure. Not badly. Surface wound. My grand told me about the Smith boy. Lad went missing one day, so folk had a witchman that was hunting nearby, started poking him asking. When he started twisting and squirming, so wham bam, they knocked his head off. Bon, il est parti où? Je t'emmerde. Bon, il a tourné en rond. Trail ends here, but I'll recognize him by his wounds. Oh yeah. Je vais l'avoir.
Putain, mais ils sont tous malades, quoi. Vieille peau d'ours, je le prends. Je sais pas à quoi ça sert, mais je prends. Ramasser, y'a quoi? Fruits secs, mon top. Pipe, s'en fout. Là, je prends aussi. Ça peut servir. Ça va, je suis loin. Du blé, on prend. Quoi, y'a une icône TC qui te demandait de faire un signal, j'ai pas fait gaffe. Où ça? Dehors? Oh 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 oh, ça a craché, ça a craché. Ah putain, il a craché. Texture map failed. Your video card or driver frozen, not reset.